Eh bien, l'ESTA a été créée en 1986. J'étais à l'époque ministre de l'Éducation nationale et maire de Belfort. Donc, l'initiative qui a été celle de la Chambre de commerce et d'industrie de l'époque m'a paru très bienvenue. Je l'ai favorisée, encouragée. J'ai ajouté une modeste subvention et les collectivités locales ont continué à soutenir une initiative très originale parce qu'elle formait des spécialistes de la vente de produits industriels, de gens formés à la fois à la technologie, au marketing. Je pense que ce créneau était tout à fait celui qu'il fallait utiliser encore aujourd'hui. On peut le dire car la France a certaines lacunes dans sa capacité de prospecter les marchés, notamment à l'étranger. Donc l'ESTA qui forme chaque année une bonne soixantaine d'ingénieurs commerciaux, on peut dire ça comme cela, eh bien, remplit parfaitement la fonction qui lui était assignée. Je me réjouis toujours de voir ces jeunes gens pleins de dynamisme qui trouvent très facilement place sur le marché. Enfin, visiblement, les entreprises sont satisfaites de la formation qui est dispensée à Belfort.